c'est ma meilleure amie. Elle n'est jamais tombée amoureuse. Jamais. Et là, je comprends pas. Siam tombe amoureuse. D'un coup, comme ça. Mais ce qu'elle sait pas, ou ce qu'elle a pas compris, mais c'est que l'amour, c'est de la merde. Bah ouais. T'es vulnérable, t'es à la merci de quelqu'un, c'est risqué. Siam, y'a ton frère qui arrive. Et ça, t'en mêles pas quand je parle avec ma soeur. Tu peux être un plomb, c'est quoi ce comportement? Bilal. Tu fermes ta gueule quand je te parle. On va dire quoi, quartier? J'aurais aimé que mes parents me parlent d'amour. C'était un truc qui... Ah, c'était chaud, froid, électrique. C'était une explosion, une symphonie dans mon corps. Comme si parler d'amour, c'était parler de sexe. Celle-là, tu la maries, ne me considère plus comme mon père. Le débat est clos. La vie n'est pas une succès. Nous avons nos propres réalités. Nous avons nos cultures. Issa, qu'est-ce qui te prend? Je te confie ma soeur et tu me fais ça? Tout ce qui compte ici, c'est de respecter les codes. Porter ses couilles. Faire le bonhomme. Jouer au grand frère. Je fais comment sans toi, Issa? Parce que vous ne serez pas d'accord? Parce que je dois me marier avec un maghrébin du pays? Au nom de quoi? Au nom des traditions? Des traditions du pays? Mais pays, c'est quoi, Bilal? Du pays de nos parents ou du nôtre?